Mais grand Marc, l'enfant qui lui a offert un collier de pâte, peut lui dire merci. À chaque apparition de Meghan Markle, des dizaines de photographes multiplient les clichés de la duchesse de Sussex. Les médias scrutent, eux aussi, les moindres faits et gestes de l'ex-actrice de suite, avocat sur mesure. Alors, quand un petit garçon lui a offert un collier de nouilles à l'occasion d'une visite du jardin botanique de Melbourne le 18 octobre dernier, c'est toute la toile qui s'est affolée. En effet, depuis son apparition, le jeune homme prénommé Gavin Zelvaud, âgé de 6 ans, qui tenait dans sa main une pancarte « Je vous ai fait un collier » est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Très vite, de nombreux clients ont fait appel à la famille du petit garçon pour acheter des répliques de ce fameux collier de pâte. Les parents de Gavin Zelvaud ont donc lancé un site internet Image You and Eclas afin de vendre les créations du petit garçon. Nous avons reçu plein de messages de gens demandant à Gavin de faire plus de colliers, tout le monde voulait lui en acheter un, a confié Rowan Zelvaud à la chaîne de télé Network 10 comme le rapporte BFM TV. Depuis sa rencontre avec Meghan Markle, le jeune homme a déjà reçu plusieurs commandes d'Australie mais aussi des États-Unis et du Royaume-Uni. Les colliers sont vendus au prix de 20 dollars, soit environ 12 euros, et ce, pour la bonne cause. En effet, comme le souhaite la famille, tous les fonds seront reversés à une œuvre de charité visant à la recherche sur les bébés morts-nés. Je veux faire comme le prince et la princesse et soutenir des œuvres de charité. Ma sœur, Clara, est morte-née en 2014 et je ne veux plus que ça arrive, a ainsi confié le petit garçon. Une histoire émouvante qui devrait toucher en plein cœur Meghan Markle, une future maman comblée.